Bon, on a pris le pli surtout avec le préparateur athlétique de savoir comment on devait faire, comment on devait bien récupérer, bien régénérer les organismes. Et c'est jamais évident de revenir, notamment au mois de janvier, et de performer. Je pense qu'on a fait une première mi-temps de ce que j'ai regardé hier soir, un peu poussive malgré tout dans le jeu, même si dans l'état d'esprit on y était. Et après, on a montré de meilleures choses en seconde mi-temps. Et je pense que le fait de marquer, et notamment deux buts à domicile, c'est toujours important. Donc c'était beaucoup mieux en seconde et il faudra s'appuyer sur ce qu'on a fait en seconde mi-temps, oui. On va essayer de mettre en place ce qu'on sait faire, tout en essayant bien sûr de créer, comme je disais, une certaine incertitude à l'adversaire sur certains positionnements de joueurs qui peuvent nous ouvrir certains espaces. Voilà, donc après il y a toujours cet aspect offensif, mais sans oublier l'aspect défensif qui est très important pour nous, pour éviter de prendre des contres, même comme on a pris en deuxième mi-temps contre Châteauroux, qui aurait pu être plus dangereux. Mais malgré tout, comme je vous ai dit, c'est quand même assumé. Et à la fois, Gauthier nous a laissé encore dans le match, et les défenseurs sont bien revenus à un certain moment. Donc, que les équipes adverses se créent des occasions, ça peut arriver aussi, mais il faut savoir bien les gérer. Et pour l'instant, on arrive à bien les gérer. Et nous, on doit être quand même, je pense, encore meilleur dans l'aspect offensif, notamment sur des blocs bas, mais c'est toujours le plus difficile dans le football. Sur les matchs qu'on a regardés, on a regardé beaucoup de matchs de Dunkerque pour bien préparer ce match. Et c'est une équipe qui a beaucoup d'opportunités malgré tout offensives. Qui a su allier l'aspect athlétique et l'aspect technique et qui a largement la place dans ce championnat. Donc, c'est une équipe, même s'ils ont perdu pas mal de matchs, mais ils perdent 1-0, ils prennent pas beaucoup de buts. C'est une équipe qui est relativement solide et il va falloir faire un match plein pour pouvoir aller les battre chez eux, parce qu'en plus, on sait l'importance que ces équipes-là jouent à domicile, comme nous aussi, mais notamment aussi les équipes qui sont classées comme Dunkerque et des promus. Donc on ne s'attend pas à un match de toute façon facile en allant là-bas, on s'attend à un match compliqué. Il faudra faire ce qu'on sait faire et essayer de le faire du mieux possible. Ce n'est pas la fin d'un cycle, mais finir les matchs aller avec un certain nombre de points, ça te donne quand même un certain regard sur le championnat, obligatoirement. Même si moi je ferais mon bilan au 20e match, comme je vous ai dit, mais déjà faire un bilan à la moitié des matchs, avec une vue d'ensemble de ce qu'on a pris comme points certains et ce qu'on a pris nous comme points, avec une analyse à la fois de la défense, une analyse de l'attaque, une analyse des points globalement. Et ça, c'est important quand même de pouvoir après basculer le plus haut possible avec le maximum de points.